Dans ce monde où règne la politique et que c'est le bordel et que c'est dans tous les sens, ça fait du bien de se reposer sur un micro-chouïa petit dramounet. Il n'y a même pas de drama, c'est juste qu'il s'est passé quelque chose qui a mis un petit peu mal à l'aise Gotaga et Squeezie. Et de l'autre côté, moi, ça m'intéresse aussi parce que ça transpire aussi que dans cette bulle, il y a un véritable problème, il y a un véritable non-dit. Mais on va revenir là-dessus tout au long de la vidéo. Ça devrait vous plaire. Attention, please. Je ne sais pas à quel moment c'est. Je ne sais pas à quelle occasion c'est. C'est pour un championnat d'e-sport. Je suis très loin, l'e-sport. Je sais juste que la K-Corp a son truc à lui, Vitality a son truc à elle, Gotaga a son truc à lui. Bref. Ils se détestent. Et en gros, Brox, donc c'est lui, qui est un e-sportif depuis de très nombreuses années, mais il a un comportement un peu... jugé par vous-même. Et jugez comment Squeezie ne sait plus comment désamorcer la situation et Gotaga aussi qui essaie de gérer le truc. Ça dure 25 secondes. C'est du petit lait. Vous êtes député comment? Mais les gars, on a un masque avec Lucas, on est député aussi. Je suis archi pas député, c'est juste qu'un mec là, j'ai envie de le démarrer là. T'es député en peu près. Celui qui est venu dire, Emmy, t'es mis ton cul devant nous là. Je vais aller le chercher après là. T'inquiète. Ah, okay. Bah ouais, non mais en fait, je comprends un peu gros parce qu'il y en a certains. Non, celui qui est venu avec le mec cassé là devant nous, qui nous a regardé, Emmy, ton cul, je vais aller le chercher après. T'inquiète. Et oui, Twitter, c'est pas la vraie vie, les gars. Faites attention à vous. Twitter, c'est pas la vraie vie, les gars. Bah, en fait, c'est juste que vous députez comment? Vous le sentez le malaise? Alors le t-shirt cassé, c'est le t-shirt de la K-Corp. J'imagine qu'il a dû perdre un match, c'est pour ceux qui connaissent l'histoire. Hein. J'imagine qu'il a dû perdre un match et il y a l'autre. Ah, la K-Corp, c'est la meilleure K-Corp. Et, bon, je vais le démarrer. Moi, ce que je comprends pas, c'est que, ok, t'es Squeezie, ok, tu gères des trucs d'e-sport, ok, t'as un truc. À quel moment tu ne dégages pas des éléments problématiques, racailles, délinquants ou violents comme ça? Le mec, il perd ses moyens. Un jeu vidéo. Et il a trop. Petit extrait qui est remonté dans le truc. Voilà comment ressemble un match de Millennium versus Supremacy. Et dedans, il y a Brox et Gotaga aussi. Là-dedans. Alors la vidéo, elle date d'il y a 11 ans, mais c'est rigolo à voir. Je comprends pas qu'on les adule, je comprends pas qu'on les idolâtre, je comprends pas l'engouement derrière eux. J'ai juste l'impression de voir des racailles de cité s'affronter sur un jeu vidéo et ils font tous genre ils dominent le monde entier en mode ils ont remporté des guerres. Regardez ça, ça vaut le détour. Come at me. Allez, il est en shoot. Putain, il est arrêté de jouer. Il a gagné un jeu vidéo. T'imagines, moi je pèterais un cap comme ça, je crois que je gagnais à Mario Kart. Culé, bande de triso, là, me tirer, là. On est les meilleurs, bande de putain. Dégagez maintenant. Comment? Alors, moi, je suis directeur sportif. J'ai mon sportif qui réagit comme ça. Il est dégagé instantanément. C'est-à-dire, il finit même pas sa partie. Je l'attrape par le callback et je le dégage et il travaille plus jamais avec moi. Mais eux, ils en ont rien à battre. C'est ce que je dis, c'est juste un groupement de racailles délinquants. Reviens-moi encore! Reviens-moi! Let's fucking way! Et pour moi, Gotaga, il est là. Et Brox est là. Je crois que c'est Brox, hein, il me semble. J'en avais eu hein, comme ça en tournoi Street Fighter. Il s'énervait de fou furieux. Et je l'ai mind game, je l'ai explosé. Et plus je l'explosais et plus il s'énervait.
plus simple, c'est jouir. Et après, il était tellement énervé, il a perdu tous ses matchs tellement il en pouvait plus. Mais gros, mais calme-toi, au bout d'un moment, c'est un jeu. Enfin, c'est un jeu vidéo. Enfin, je veux dire, si tu perds, c'est pas... C'est juste de ta faute. Hein. C'est... Et même, t'as envie de jouer avec ça? Si tu le bats, tu te ramasses un point dans la gueule. C'est un peu, tu sais, comme les racailles dans les cités. Quand il y a des matchs de foot dans le 93, et que si t'as une équipe qui vient de la campagne et qui se bat contre l'équipe de la cité de cette ville, et si elle ose gagner, ils se font tous tabasser. Ou planter. Il y a déjà eu des coups il y a déjà eu des couteaux de sortie. C'est ça? C'est ça l'esprit du sport? À quel moment tu autorises des sportifs à avoir ce genre d'esprit? Vous vous souvenez, on avait regardé l'extrait de Over the Top de Sylvester Stallone. Savoir gagner, gagner ou perdre, c'est pas grave. Savoir perdre avec un moral de vainqueur, ça, c'est être un gagnant. Savoir gagner avec un moral de vainqueur, de gagnant, ça, c'est être gagnant. Là, même s'ils ont gagné, c'est juste des gros losers. Il n'y a pas d'autre explication. On va l'année, on est fini. Loser de pas. C'est pas qui vous dit. C'est pas qui vous dit. C'est fini. Ah, on y va. Il était jeune, hein, putain, Gotaga. Et moi, c'est pareil. Enfin, j'ai déjà fait des combats en équipe ou des trucs comme ça, que ce soit sur Halo à l'époque ou ce genre de choses. Enfin, il y en avait un qui était casse-couille dans l'équipe ou légèrement énervé pour rien. On le dégageait. On le dégageait de l'équipe. C'était tout. Tu travailles pas avec ça. Alors Brox s'est exprimé. On parait à la position là qu'il a eue. Et Brox il a dit pour cette histoire nulle, les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un de violent. C'est exactement ce que dit Katniss et Raphaël Arnaud, c'est rigolo. J'ai été très énervé, je voulais parler aux supporters qui ont eu un comportement irrespectueux, c'est tout. Alors il y a la vidéo de quand il a voulu parler aux spectateurs, on va voir ça. Je peux comprendre qu'on soit un club rival, mais le manque de respect, ça me dépasse. Vous me parlez de trash talk, mais quand je trash talkais à l'époque, j'étais joueur et je m'adressais aux joueurs. C'est pas une excuse. Le fait que le mec me dise qu'il nous encule en face pendant qu'on caste, ça n'a rien à voir. Vous voulez me faire passer pour un mec qui déteste K-Corp, mais j'ai été fan de ce club qui appartient à Kamel, donc un ami. Et Prime, quelqu'un avec qui j'ai grandi et que je vois pratiquement tous les jours. Entre guillemets, on essaie de garder les portes ouvertes parce qu'on sait jamais, ça peut toujours faire des collabs. À un moment, je pourrais souhaiter le downfall à des personnes comme ça, mais cette partie des fans toxiques qui se croient tout permis, y compris IRL, faut que ça cesse. Gotaga a dit « Tiens, couronne de roi ! Incroyable ! Quelle parole ! » Le problème, c'est que c'est que des paroles ! C'est comme les politiciens qui font des éléments de langage. Parce que du coup, ça, c'est quoi ça? C'est ça, parler tranquillement? Alors, il y en a, ils disent, ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a, ils disent « Ouais, mais on n'entend pas ce qu'il dit. » Attends, t'as vraiment, quand quelqu'un te fait « T'as vraiment besoin d'avoir... T'as vraiment besoin d'entendre ce qu'il dit ou t'as vraiment besoin de... tu vas venir boire un café avec moi. » Non, ça marche pas. C'est plus « Je vais te mettre mon poing dans la gueule si tu continues. Hein. » Mais bon. À quel moment ce genre de sportif est encore autorisé à être dans des équipes et à être... Pas ouf, hein. Brox Lesnar, GG Waiter, c'était bien trouvé à Raison Cassé et M8. Rival peut-être, mais ils sont intimement liés. Profitez de l'esprit dans le respect, les frérots. Cette fameuse commu toxique. Oh, Brox! Oui, va le chercher ce type, balancez-nous la vidéo du mec qui pleure devant le monstre qui est notre CEO. Parce qu'en plus, il est CEO, il est patron d'équipe e-sport, hein. Brox. Brox qui va de la casser, la vie est belle. Brox qui s'est levé instant pour aller démarrer la casser, ça fait plaisir, ça. Le Brox de Call of Duty, il va te démarrer ce petit cassé, my dream. Brox va défoncer du cassé. Je veux une vidéo de Brox qui va attraper le fan de cassé, PTDR.
pas force au FDP qui va se faire démarrer par Brox. On va voir une vidéo de Brox en train de fumer un fan cassé dans les heures qui suivent, ça va être très drôle. Oh Brox, oui, va le chercher ce type. Balancez-nous de la vidéo du mec qui pleure devant le monstre qui est notre CEO. Il a raison. Lev se sent pousser des couilles. Pendant 100 000 viewers, j'aimerais une caméra sur son visage une fois qu'il fera à Brox version Call of Duty. J'espère vraiment que Brox va t'enculer. Brox, il va tellement le terminer. Ah ah ah, fallait pas pousser trop loin. My Dream Brox lui arrache sa grand-mère. C'est fou, cette commu de salope de chez Cassé, quand même. Toujours les mêmes. Je parle pas de la commu bien. Tout... Et c'est là que tu te dis, Cassé, Corpi Sportif, Brox, machin, mes couilles et tout le bazar. C'est entouré de cassos et de racailles. C'est un truc de fou. En fait, bah, ils sont entre eux. Ils se reconnaissent entre eux et c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Même si je m'intéresserais à l'e-sport dans un environnement comme ça, c'est pas possible. Enfin, tu es trop toxique. Enfin, c'est pas possible. Et personne ne fait rien. Tout le monde fait genre, non, mais l'e-sport, il y a des bonnes valeurs, c'est magnifique et tout. Et derrière, ça s'insulte dans tous les sens. Et ça, c'est ce qui transparaît en public. Vous vous rendez même pas compte de l'iceberg qui doit être en privé. On se rappelle que Kameto était à deux doigts d'enclencher un fan Vitality pour un petit drapeau sur le stream. Et là, Brox devrait se taire quand on lui manque de respect. Non, les réactions des Ultra K-Corp, j'ai pas vu aussi hypocrite depuis que le RN a annoncé ne pas être raciste. Il m'a dit en plus avant la compétition, hey, casse-toi là, je vais te goumer. Ouais, voilà, tu on rigole ou quoi? C'est bien, cache ton drapeau. T'as eu, va faire la W sur un... Et je comprends pas qu'on mette en avant... toute cette toxicité. Comme si de rien n'était. C'est un truc de fou. Kamel Tank, des dingueries tous les jours depuis des années, jamais un débordement violent comme ça. Par contre, Brox Lénard va nous faire le foufou du coin pour un M8 on t'encule. MDR, le choix des structures est vite fait. C'est dingue. Hein. Bref. Ça fait du bien de changer un peu les idées, de parler un peu de broutilles, les mecs sont prêts à s'exploser pour des parties de jeux vidéo. Pendant que la France est en train de mourir et pendant qu'il y a des vraies dingueries, pendant qu'on est en train de dégonfler les fesses des personnages féminins dans les jeux vidéo, on est en train de les nerfer. Eux, ils s'excitent pour une partie de jeux vidéo. Incroyable. Checkez vos priorités, bordel de merde, au bout d'un moment.